Allez, on est parti. Bonjour. Bonjour. On, on discutait Bonjour. là. Hein, on était en train de préparer. Euh, <laughs> Solidaire d'abord. Émission sur fréquence 7. Grâce à fréquence 7, pas pareil, différente et tout ça. On peut faire une émission qui est pas pareil, différente et tout ça. Euh, alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir Pierre-Yves qui vient nous voir. Alors je t'ai pas posé la question, Pierre-Yves. Est-ce que tu viens nous voir au nom de la conf, ou toi, euh... Euh, moi plutôt là. Ouais. Toi plutôt. Ouais. Sur le coup. Oui, d'accord. Parce qu'en fait, on voulait évidemment parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient à cœur à tous. C'est qu'on a vu comme ça, sans tout à fait comprendre tout, euh, que les agriculteurs se sont mis très en colère. Est-ce que c'est tous les agriculteurs Est-ce que c'est tous les agriculteurs qui, qui sont bénéficiaires de cette sortie de crise Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent évidemment. Et donc, on veut te poser à toi. Ben, — euh, On peut commencer par le commencement. C'est-à-dire que, que en fait, cette histoire, ça a démarré... Alors il y avait eu euh, euh, de, déjà des, des, hein, des, des manifestations. Vous aviez dû le, le marquer, qui était plutôt sympathique. Ils avaient retourné les panneaux pour dire qu'ils marchaient euh, sur, à, la à, sur la tête. On marchait sur la tête. Donc ça, ça avait été fait à partir d'octobre-novembre, je crois. On n'avait pas trop compris les revendications qu'il y avait derrière. Et puis là, en fait, c'est parti du, du sud-ouest d'éleveurs de, de, qui, en fait, ben, galèrent vraiment, et surtout à cause de l'augmentation du prix du, euh, du gasoil non routier. Et euh, donc, euh, qui, en fait, une partie allait être remboursée par des démarches administratives. C'est vrai, vrai que c'est quand même assez complexe comme système. Et donc euh, la coordination rurale, qui est un syndicat qui est très fort euh, dans certains départements du sud-ouest, a tout de suite embrayé le pas. Et puis la FNSEA, bah, quand elle a vu que la mayonnaise avait pris, euh, s'est remis là-dessus. Et puis la Confédération paysanne a rejoint en dernier le mouvement. Alors tout était d'accord sur le constat qu'il y a un véritable problème de revenus euh, pour les agriculteurs et les agricultrices. Maintenant, tous ne sont pas d'accord euh, sur les solutions à apporter à ce, cette hausse du revenu. — Oui. Parce qu'à la sortie, là, là, celui qui est gagnant, c'est la FNSEA. Hein. — Alors ceux qui sont gagnants là, à la sortie, ce sont surtout ceux qui, euh, euh, bah, sur qui le système leur allait bien, quoi, et euh, avant qu'il y ait ces fameuses charges qui soient mises en place. Donc oui, c'est... Euh, après, de, de, en fait, euh, la, 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 ce qui a été proposé par le gouvernement, si on change rien, hein, en fait... Oui, on change. On, on change rien, on continue on, on, la politique on, comme elle était on, avant. On enlève le, le GNR, là, la taxe sur voilà. le GNR, c'est-à-dire ce qui convient très bien aux gros, gros céréaliers, oui. parce, parce que c'est surtout eux Céréaliers qui... et le voir aussi. Hein. Oui, mais c'est surtout eux qui, qui, qui se retrouvent à avoir des, des frais très importants à ouais. ce niveau-là. Les éleveurs aussi, ouais. voilà. Beaucoup ouais. les éleveurs, les éleveurs laitiers et tout ont beaucoup de frais parce qu'ils euh, qu cultivent des céréales hein. ouais. et euh, ils font aussi de, des foins. Moi, ouais. ouais, c'est ceux qui utilisent beaucoup de gasoil. Après, il y avait eu aussi avant euh, la suppression des, euh, des taxes qui devaient être mises sur les pesticides. Donc, en fait, il y a véritablement. Euh, voilà, on, on, en fait, on n'arrive pas euh, à franchir le pas de la transition vers l'agroécologie. On n'arrive pas à le faire parce qu'en fait, euh, ce, ce pas demande d'aborder de, euh, un nouveau problème c'est le prix de, de, de l'alimentation. Alors, tout, tout ça, c'est aussi parce que le système libéral mondial en fait tient tiens tout le monde dans sa main c'est à dire que de toute façon pour arriver à s'en sortir on est obligé d'être en concurrence avec des produits qui viennent de pays soit proches dans, dans l'Union européenne, mais aussi du Maroc où, voilà. Oui, même sans parler si loin que ça. Hein. C'est à dire qu'on est même mis en concurrence entre nous, même dans le même pays. C'est pas tellement le problème. Enfin, c'est aussi un problème d'autres de, de, pays, mais c'est euh, qu'on d'autres euh, normes sociales et d'autres normes euh, écologiques. Mais euh, c'est même un problème au niveau enfin, C'est la mise en concurrence des, des exploitations agricoles les unes avec les autres qui fait que les prix sont bas. En fait, la solution, l'unique solution, c'est serait véritablement que les prix soient garantis selon les productions. Alors il y a des calculs qui sont à faire qui ne qui seraient, qui seraient pas très compliqués à faire. Et ce prix garanti permettrait aux agriculteurs de vivre de leur travail. Et une fois qu'ils auraient un prix garanti, ben, on imagine que si on leur disait ben, maintenant on va vous taxer pour des raisons X ou Y, euh, euh, et euh, vous demandez euh, de respecter des, des normes agro-environnementales, bah pour eux, ce ne sera plus un problème, puisqu'ils auront le revenu. Bah, voilà. bah, à partir du moment où on a le revenu pour le faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Ce qui est difficile, en fait, ceux qui euh, sont le plus dans la panade, c'est ceux qui ont les marges brutes les plus faibles. Oui. Et en fait, on a, on a tiré vers le bas, tiré vers le bas, tiré vers le bas tous ces prix euh, agroalimentaires, ce qui, ce, qui, ce qui fait que... On se retrouve maintenant avec euh, un, un système qui est mis en place avec, entre autres, Leclerc, comme, comme tu disais tout à l'heure Alain, à l'instant, euh, qui, qui va venir expliquer que lui, bah, voilà, il prend les prix les moins chers, hein, il, il met les produits les moins chers. Et, et, et on ne pose pas la question à ce système-là. On ne remet pas en question ce système-là. On, 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 on va faire des modifications à la marge. Euh, par exemple, là, ce, que fait, ce que fait le gouvernement, est-ce qu'il a résolu le problème bah après, lui, il a résolu le problème de, 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 de ceux qui demandaient que ça change pas, quoi. Mais en, en, encore une fois, ce qu'on qu n'arrive pas à mettre en place, c'est la transition agroécologique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très grave parce que l'agriculture la, a un impact fort sur plusieurs euh, 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 problèmes écologiques, notamment sur le réchauffement climatique, en utilisant beaucoup de GNR, c'est quand même une machine de guerre, euh, par rapport à la chute de la biodiversité. La chute de la biodiversité, c'est pour deux raisons importantes. La première raison, c'est les monocultures. L'agriculture ne s'est pas construite par des cultures euh, variées sur l'ensemble du territoire, mais c'est sectorisé ouais, pour plein de raisons euh, différentes. Et enfin, l'utilisation massive de, de pesticides, et qui, quoi qu'on en dise, qui continuent à être utilisés, même si c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Mais on est quand même loin du compte, et en tout cas loin de ce qui avait été proposé par le, grevel, le Grenelle de l'environnement en, en 2017, là où avaient été créés ces fameux euh, euh, éco qui ont été euh, mis euh, en pause. Alors toi, Alain, tu, dis, tu disais que euh, tu as discuté avec, avec des copains et qu'ils te posaient plein de questions sur, sur qu'est-ce que c'est un agriculteur, quelque part, un petit peu Oui, oui, oui je me suis retrouvé, disons... Euh, moi, les agriculteurs, bon, ben, par, euh, par euh, essence, je dirais naissance, je, je suis né... Euh, mes mes grands-parents, disons, paternels, hein, je ne veux pas raconter toute ma vie, mais disons, euh, dans ma famille, ils étaient agriculteurs, des petits agriculteurs, à des choix. Donc je sais que... Euh, ce sont des gens qui travaillent beaucoup et qui avaient peu de revenus. Hein. C'était des petites fermes. Alors aujourd'hui, bon ben moi j'ai perdu un petit peu contact avec tout, avec tout ça. Hein. Mais euh, j'ai plutôt la fibre, disons, à défendre des agriculteurs, à dire, attendez, c'est des gars qui bossent et qui ne gagnent pas leur vie. Et je trouve que, quel que soit le métier que l'on exerce... On, si on bosse, on doit, on doit gagner sa vie correctement. Et là, mes ça, collègues, ça quelque part, c'est la question que, la, que beaucoup beaucoup de gens en France se sont posés quand ils ont vu ces agriculteurs aller, aller faire ces manifs. Euh, on, on sent bien qu'on a des racines. C'est le des cas des de paysans. Paysans, faut pas remonter. Oui, sont pas loin, et, et là, mmh. elles ont été ravivées en fait. Mmh. Et là, mes collègues, euh, pourtant des gens que j'adore, hein, qu enfin des gens avec qui je, je partage beaucoup, ils m'ont dit "Oh, bah, tu nous gonfles avec tes agriculteurs." <laughs> parce que ces des gars d'abord ils ne respectent pas du tout l'environnement euh, ils polluent tant qu'ils peuvent ils empoisonnent euh, ils, ils utilisent n'importe quel produit ils se tuent même eux-mêmes avec, avec leurs produits ils construisent des méga-bassines et ils nous piquent l'eau ils, euh, ils sont individualistes euh, ils votent à droite euh, alors qu'en fait euh, ça ne leur sert pas ouais, ouais, ça ne leur sert pas et, 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 les, et, et, et les lois que, que vote la droite les desserts, quoi. Et alors je me suis allé voir après je me suis dit, bon je sais que, le, que traditionnellement, je le sais, hein, mais je suis allé voir les chiffres, et en effet, oui, mmh. c'est vrai qu'ils votent plutôt Macron, ah, oui, oui. et ils ont tendance à glisser vers, euh, vers Le Pen. Alors ouais. pas tous, bien sûr, ils veulent les généralités, c'est toujours idiot, hein, il faut, faut se méfier, parce que bon, il y, 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 y a un pourcentage, mais c'est les statistiques, quoi. Hein. Voilà, donc, euh, <laughs> après, on ne sait pas trop, euh, mais bon, je, je sais qu'il y a de, plein d'agriculteurs, euh, disons, qui rencontrent des difficultés, et, euh, en Ardèche, moi c'est en Ardèche surtout j'aimerais savoir ce, on, on est d'ici, est-ce que les gens vivent correctement ici, est-ce qu'il est est qu y a un revenu moyen? Est-ce qu'on peut est-ce que ça dépend de la filière dans laquelle on bosse, si c'est les fruits, si c'est les, les chèvres, enfin... Bah, grosso modo, oui. Il y, a, un, il, y a, euh, il y a plusieurs cas de figure. Hein, il n'y a pas de, de il y a pas d'archétype de, 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 de la ferme euh, ardéchoise. Euh, il y a, il y a, bon, en Ardèche, on a la chance d'avoir euh, un peu toutes les productions. C'est-à-dire qu'on a vraiment de tout qui se produit. Alors, euh, bon, il y a, la, il y a, même en viticulture, qui, alors, sur, je crois qu'il y a à peu près 3700 fermes en Ardèche, il y en a quasiment 1000 qui sont en viticulture, donc ça reste la production principale. Il euh, bah, y a tout en viticulture, il y, y, y a des domaines euh, en Saint-Joseph qui gagnent très bien leur vie, puis il y a des petits viticulteurs euh, qui sont euh, dans, des, euh, dans le quart sud-est qui, qui ont beaucoup plus de difficultés. D'ailleurs il y a un plan euh, aide à la viticulture qui a été activé en Ardèche euh, par rapport à la crise qu'il y a actuellement. Mais c'est pareil, la viticulture, pendant un moment, il y avait des droits de plantation. Donc c'était une production qui a été régulée, qui a été dérégulée par les droits de plantation. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une surproduction. Donc à partir du moment où une surproduction, bah, qu'est-ce qui se passe Il y a plus d'offres que de demandes, de demandes les et, les prix, et les, les prix baissent. Donc ouais. euh, c'est toujours la même, euh, le, le même problème, on retombe toujours dans la même histoire. Et les quotas laitiers, c'était la même chose. Alors en Ardèche, il n'y a quasiment plus de lait. Moi, je me suis installé il y a 25 ans, il y avait 700 fermes laitières en Ardèche. Ouais. Il y en a, je pense qu'elles se comptent, euh, pas sur les doigts de la main, mais enfin, euh, il n'y en a quasiment plus qu'autour de, de, du nord Ardèche où il y a encore un peu de collecte avec... Euh, euh, de, sur la Drôme et l'Isère, mais il n'y a quasiment plus de, de collecte laitière. Et puis l'arboriculture, la, 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 la production fruitière, alors qu'on était le plus gros département fruitier de France, a complètement disparu. Et là, bah, euh, la raison principale, c'est une délocalisation qui s'est faite à cause de la main-d'œuvre trop importante. Et euh, c'est parti dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Et à un moment, on était autosuffisant en France sur, sur la production. Euh, alors en fait, France. on n'est pas. Est-ce qu'on est qu l'est toujours Alors c'est pas qu'on n'est pas autosuffisant, c'est super dur à dire parce qu'en fait, on exporte et on importe. Ouais. Donc euh, on fait un peu selon les marchés. Donc euh, ben, euh, on, on pourrait être autosuffisant, ça, il n'y a, a aucun problème. Le seul truc, c'est que nous, on achète des choses qu'on qu qu produit ici, on va vendre. On achète du poulet du Brésil, mais on vend du poulet aussi. En fait, il y a pas de, le marché n'est pas du tout régulé et mal réparti. Mais on pourrait largement être autosuffisant, il n'y a aucun problème. On a, on a largement de quoi s'auto-alimenter en France. Mais, mais dans ce que tu es en train de dire, justement, en fait, il euh, n'y euh, a, a pas de réglementation. On a l'impression que les produits peuvent rentrer euh, sans, sans qu'il y ait un filtre qui permettrait à tout le monde de s'en sortir correctement, en fait. Ben y a, non, y a, non seulement il n'y a pas de, de, de réglementation, mais il y a même des accords de libre échange qui sont signés. Et en fait, ces accords de libre échange autorisent, euh, euh, par exemple, à le fameux Mercosur. Alors attention, hein, on a tous été contents en entendant le gouvernement dire qu'il ne signerait pas le Mercosur. Ils ont bien dit qu'ils ne signeraient pas le Mercosur dans l'État. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne signeront pas. Et par exemple, le Mercosur, typiquement, bah, c'est d'importer de l'alimentation. Alors là, en plus, je parle sous couvert de Julien de Normandie, qui a écrit un bouquin avec Eric Orsena qui s'appelle euh, Nourrir sans détruire, ou un nom comme ça. J'ai mangé le nom. J'ai entendu à France Info, et je ne croyais pas que c'était lui qui parlait, parce que c'est l'ancien ministre de l'Agriculture, qui a failli d'ailleurs être Premier ministre, en tout cas qui était sur la liste, et qui euh, lui-même décriait le, le, le Mercosur en disant On va importer des poulets du Brésil, on va importer des, euh, des céréales l'Amérique du Sud pour vendre nous des voitures électriques. Oui, ça. Donc en fait, on a toujours mis euh, les enjeux de l'agriculture en deçà des enjeux euh, de l'industrie. De... Donc en fait, euh, c est, c est... on n'est pas du tout dans la logique de la souveraineté alimentaire au, 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 au sens où on l'entend euh, dans, dans le, le fait d'une sécurisation de l'alimentation de qualité pour tout le monde. On est dans une forme de, euh, de marché mondial de l'alimentation et dans lequel bah, ne compte en effet euh, que euh, l'aspect le, 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 financier. Alors après, y a, pour reprendre à ta question Alain, oui il y a des petits paysans qui vendent euh, des fromages de chèvre sur les marchés, qui s'en sortent, mais euh, il y, y a de tout dans l'agriculture, c'est pas, mmh. pas unique. Et tout à l'heure quand on discutait, tu nous disais qu'il y avait un, un mouvement de fonds, en France en tout cas, peut-être en Europe aussi, je sais pas, sur l'agrandissement des fermes. Ah ben ça de toute façon c'est pas un mouvement de fond, c'est-à-dire qu'en fait depuis le 1962 et la naissance de la PAC ça a été l'objectif. En fait c'était de moderniser l'agriculture pour qu'elle nourrisse. Alors c'est vrai que ça part d'une bonne intention au départ puisque à la sortie de la guerre l'Europe n'est pas garantie de, de s'alimenter. Et le fait de garantir l'alimentation du continent c'était garantir la paix. Donc il faut quand même avoir cette idée là de fond qu'au départ la PAC c'est une idée de paix, ce qui n'est pas un échec en soi, ce qui ne veut pas dire que c'est une réussite non plus, mais il y avait quand même cette idée là. Après la PAC a tellement bien marché qu'en 1972, Chirac, premier ministre de l'Agriculture, on est excédentaire. C'est-à-dire qu'en fait, on produit beaucoup plus parce que on a mis les moyens euh, avec, entre la, 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 la mécanisation et les, et, les, et les produits phytosanitaires et euh, les, les engrais chimiques. On, c est, c est, ça, ça, en plus, on, on est arrivé sur des, tol, des, des sols qui étaient hyper fertiles. On a mis des engrais, des ammonitrates dessus ça a poussé, on a boosté les rendements. On est passé de 10 tonnes, euh, de 10 quintaux pardon, de céréales à l'hectare jusqu'à 120 aujourd'hui. On a multiplié par 12. Et à l'heure actuelle, les sols ils, sont, ils en sont où ben, En fait, alors, on en parlera après parce que oui. c'est vraiment l'enjeu de l'agroécologie aujourd'hui. C'est qu'en fait, on est en train, quand on parle de biodiversité, alors du coup on en parle maintenant, quand on, quand on parle de biodiversité, on a toujours l'impression qu'on parle des oiseaux, des loups, des ours et tout. Non, c'est le sol. 9, euh, 90% de la vie sur Terre est dans le sol. Darwin, il disait toujours, il y a 9 vaches dessous pour une vache dessus, et c'est vrai. Et en fait, si les sols perdent de leur fertilité, on ne pourra plus se nourrir. Et l'autre fois, j'ai eu la chance de faire une conférence, en, enfin une. une Pardon, une rencontre en visioconférence avec le, président, le directeur scientifique de l'INRAE qui s'appelle Christian Wiener, sur lequel on n'est pas d'accord sur plein de choses, mais qui avait le mérite de dire ça, en disant quand même qu'aujourd'hui on était dans une situation qui était plus qu'alarmante. C'est-à-dire que si on ne prend pas les décisions d'une transition agroécologique en arrêtant les monocultures et en, en diminuant drastiquement les pesticides, voire même en sortir définitivement, on aura un problème de sal pour s'alimenter dans quelques temps. C'est-à-dire que tous ces produits entrants intrants, hein, qu'on qu met sur les sols en fait, rendent les sols infertiles. Bah à partir du moment où on met, des, on, met, on, on met des fongicides, donc on tue des champignons, c'est les champignons qui dégradent hein, l'humus, mmh. et à partir du moment où on met, on met des insecticides, on détruit toute la vie qui est dans le sol. Mmh. Normalement, dans un dé à coudre de, de, de l'équivalent d'un tout à coudre de sol, il y a plus de 7 milliards de, de micro-organismes différents. Donc si on, on, est, on là on a un véritable problème de, 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 de sols qui se qui sont en train et donc qui ne qui demandent plus d'eau parce que c'est l'humus qui, qui stocke l'eau. Le, 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 donc si on a des sols qui, donc, qui deviennent donc il y a de l'érosion, oui. euh, euh, etc. Donc en fait on est vraiment dans la situation on va quand même un catastrophe on a toujours l les gens ont toujours l'impression que quand on parle de d'environnement de, quand on parle de biodiversité etc que c'est quelque chose d'un peu dogmatique et en vrai c'est pas du tout dogmatique c'est quelque chose de tout à fait concret et qui va, qui va impacter nos vies de façon tout à fait concrète et ça c'est bon de le rappeler parce que voilà on n'est pas dans des discours philosophiques là on est vraiment dans des, des, des choses vitales et en fait, la, 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 la solution pour faire cette transition vers l'agroécologie, elle demande deux choses importantes. Un aspect technique qu'on sait maîtriser. Je pense que l'agriculture biologique l'a prouvé, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'améliorer, mais on sait maîtriser, en tout cas en partie. Mais surtout, une, une, un changement d'économie agricole. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à, à faire, à oui. maîtriser. Tu, tu nous parlais des, de l'option qui était envisagée par la Confédération paysanne, qui était de sortir l'agriculture des marchés bah oui. voilà ça, ça, ça fait bah en fait ça, fait ça fait partie alors en fait euh, le, le à partir du moment où on va vouloir aller vers une agroécologie on va forcément augmenter le prix euh, de l'alimentation. C'est parce qu'en fait, on, on va à l'encontre de ce qu'on ce qu a toujours fait jusqu'à présent. Donc en fait, on met des moyens de fou pour et qu'on paye hein, en plus, parce qu'on paye les catastrophes naturelles, on paye, les, on paye les, les, toutes les dégradations qui sont faites, ça on va, on va le payer, les, les, les eaux polluées, enfin en Bretagne, ils ne peuvent, ils peuvent plus boire l'eau, les algues, tout, on paye tout. C'est nous qui payons individuellement, enfin ou euh, collectivement, ça dépend des cas. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, si on veut changer ce système et aller vers une agroécologie, on va augmenter le prix de l'alimentation. Or, ça fait, tu disais tout à l'heure, ça fait des années, et des années qu'on nous explique que l'alimentation ça doit être le moins cher et, on, et partout. Euh, donc forcément, euh, et c'est vrai qu'il y a une partie de la population pour qui ça va être difficile. Ça, ça, donc ça, il ça, va ça, falloir ça a été, sécuriser. Ça m'a été un choix politique, hein, c'est-à-dire euh, on n'a pas voulu, euh, euh, on a voulu maîtriser l'inflation euh, jusqu'à un certain temps, disons les politiques. Hein, et donc l'économie s'est fait vraiment sur les revenus euh, agricoles. Mmh. Hein. Donc en fait pour en fait en fait pour, en fait, pour, pour baisser le prix de l'alimentation, il y a tout un tas de petites techniques qu'on pourrait employer, notamment faire attention au suremballage, relocaliser au maximum, euh, empêcher euh, les, les euh, travailler évidemment sur les marges que font les et à la fois l'industrie agroalimentaire et à la fois les, les, les GMS mais à un moment donné bah, il va bien falloir trouver une solution pour soutenir les personnes pour qui l'alimentation va devenir plus chère donc il peut y avoir des sortes d'APL pour l'alimentation avec des produits conventionnés ou la mise en place d'une sécurité de l'alimentation pour tout le monde. Mais au fond, au fond c'est un système qu'il faut changer. Bah, oui, oui mais, ça, mais de toute façon même l'écologie pas que dans l'alimentation, la transition écologique va nous... Aujourd'hui moi je, 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 je dis souvent ça, c'est qu'en fait aujourd'hui on cherche des, des solutions techniques pour sauver ce système là, puis quand on verra que des Technique euh, marche pas, ben on, on parce, parce que là on, on a reporté le problème un petit peu plus loin là, dans, dans ce qui vient de se passer euh, dans, dans, oui, dans oui, les 15 complètement, jours, oui, ah. complètement. Ben, C'est à dire qu'en fait là on a fermé, euh, on n'a on a, on, on, on pas, on n'encourage pas euh, ce qui pourrait euh, favoriser un changement. Non pas mmh. du tout. On va, on, en fait, on a calmé la colère des agriculteurs. Les agriculteurs, leur colère était légitime puisque ceux qui ne s'en sortent pas, on peut bien comprendre qu'ils aient envie d'avoir un revenu, ce que tu disais tout à l'heure. Mais eux, ils n'ont pas de revenu parce que leur, leur, ils ont pas de, parce que leur, les prix qu'on leur paye sont insuffisants et les charges augmentent. Donc, en fait, ce qui, soit on décide d'enlever leurs charges, auquel cas ben, on ne va pas vers la, la transition agroécologique qui demande plus, qui, qui revient plus cher à produire. Donc, le, la seule solution, c'est d'augmenter leurs revenus. Mmh mais là donc on s'est retrouvé aussi avec ce, cette façon de réagir du, du gouvernement qui a été de deux poids de deux mesures hein, c'est à dire qu'on se, se rend compte c'est quelque chose dont tu parlais tout à l'heure euh, les, les agriculteurs de la FNSEA peuvent se retrouver à, à avoir des comportements extrêmement euh, comment dire agressifs hein, à, à se retrouver à brûler euh, ils ont brûlé à Bordeaux par exemple des, ouais. des, des établissements, ils, ils, peuvent, ils peuvent faire des feux sur les, sur les autoroutes, ça va coûter. Ça va coûter un pognon de dingue, tout ça. Alors, et, et par rapport à ça, bah, Darmanin nous explique que, non, mais quand même, c'est des gens qui travaillent. Euh. Oui, non, mais après, c'est sûr que vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé l'an passé euh, sur les manifs des retraites, on voit ah, bien qu'il y a deux points de mesure. Et, et ce qui s'est passé à Sainte-Soline aussi. Oui, au à Sainte-Soline aussi, oui. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, et, le... et pour les gilets jaunes aussi. Et pour les gilets jaunes, jaunes, jaunes aussi, ouais. oui. Ça, clair, non, oui, ça, c'est clair. On alors. est content que les agriculteurs mmh. se fassent panacer, ni gazer, ni mettre en garde à vue et tout ça. On que c'est le comportement qui est eu pour les agriculteurs, c'est un comportement d'une démocratie normale, voilà. crois, hein, voilà, hein, qui n'était pas, qui n'a pas été respectée, disons, tout pour, tout, pour tous les autres que ouais. nous avons cités. Exactement. Ouais. Ouais, tout à fait. Par contraste, on voit bien à quel point. Euh euh, le gouvernement s'est mal comporté avec les manifestants. Euh... Ouais, tout à fait et, et là, ouais. c'est par un intérêt euh, électoral, parce que au, au fond. Hein, euh... bah, bizarrement, parce qu'il n'y a quand même que 380 000 agriculteurs, donc en oui. fait, il n'y a pas grand monde. Après, c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'on est on, on est peut-être un peu tous, on se sent peut-être un peu tous touchés parce qu'on a des origines agricoles, plus ou moins. Oui. Donc je pense que ça, ça peut certainement, euh, ça, ça doit aider, ouais, je pense. Oui, oui, parce que parce que bon, euh, on voit un agriculteur euh, d un, d un, qui a des problèmes pour arriver à survivre ou ou par exemple ce truc qui est absolument Infernal que je trouve inadmissible, intolérable. C'est que des, des agriculteurs se suicident parce qu'ils n'y arrivent pas. Quoi. Je trouve ça invraisemblable que, que des gens qui bossent euh, se retrouvent comme ça à se mettre tout seul la corde au cou, hein, parce que c'est ça qui se passe. Ouais. Euh, c'est invraisemblable, c'est insupportable, ça. Oui, mais en fait, il y, y a beaucoup d'agriculteurs qui sont tombés dans une espèce de, de... De, 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 de pièges en fait dans lequel bah, ils ne s'en sortent pas ils investissent ces investissements s'alourdissent et euh, bah du coup ça marche pas ils réinvestissent etc et en fait au bout d'un moment ça bah, ça fonctionne pas ouais. oui c'est <laughs> ce système libéral qui les conduit à la désespérance hein, ouais, euh, parce qu'il euh, faut euh, constamment euh, euh, grossir disons euh, ouais. sa, sa, sa ferme hein, et, donc acheter investir faire des crédits euh, euh, donc euh, produire encore plus et donc travailler encore plus euh, jusqu'à l'épuisement Mmh. Mais en fait, la solution, ce n'est pas eux individuellement. De travailler moins ou de chercher autre chose, c'est véritablement de garantir des revenus. Et en fait, euh, moi, je ne comprends pas pourquoi on ne garantit pas les prix. Parce que pendant un moment, en France, on avait des prix garantis sur certains produits, notamment le livre, c'est un des rares produits qui mmh. reste encore à un prix garanti. Et euh, je vois pas où est le problème. C'est tout à fait possible, oui. Ouais. Politiquement, Et, et ça a été pareil pour l'essence pendant des années et des années. Le jour où l'essence a été à prix libre, bah, qu'est-ce qui s'est passé Toutes les petites stations de service ont fermé. Oui, oui. Et en fait, euh, je veux dire, si on garantissait des prix pour la, les, les produits d'alimentation, et à mon avis, c'est pas du tout compliqué à faire, bah, ça réouvrirait des petites épiceries. Parce voilà, que tu aurais aucune raison d'aller euh, dans, dans la grande surface à partir du moment où dans l'épicerie de ton village, voilà. le, 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 prix serait vendu au, le produit serait vendu au on, même on prix. On est bien d'accord, c'est-à-dire que le, le système de la grande distribution euh, amène aussi ça. Ah bah euh, oui. C'est parce qu'on a des... Je ne parle pas d'Edouard Leclerc oui, en, particulièrement, autre, ouais. mais entre mmh, autres, mmh. euh, qu'on que, qu se retrouve dans, cette, dans ce problème-là. C'est-à-dire que les agriculteurs sont victimes, quelque part, de ah bah, cette façon de... Ah bah, complètement, le, et des... puis ils en sont complètement conscients. Mais le problème c'est que voilà euh, ben le goût les gouvernements les uns après les autres n'arrivent pas à engager les, les réformes nécessaires pour euh, pour changer ce truc -là, juste un ça. tout petit mot euh, pour, pour dire que à saint pierre de colombier euh, on sait que repris, hein, ouais. euh, en fait euh, le, le, le tribunal de nîmes a invalidé euh, l'arrêt des travaux qui avait été euh, prononcé par Priva. Hein, euh, voilà donc euh, ça va peut-être reprendre on sait pas trop et mais surtout ce qu'il ya c'est qu'il ya plein de gens qui sont convaincus là euh, en ce moment par la gendarmerie, euh, en plus avec pas de vrais motifs, pas de vraies convocations, et après on veut les prendre en photo, ce qui n'est pas légal. Euh, Renseignez-vous bien, c'est pas légal. Euh, normalement, la, le Conseil constitutionnel dit que pour prendre quelqu'un en photo, faut qu il faut d'abord qu'il ait son consentement et faut il faut qu'il soit avec un avocat. Donc voilà, il enfin, y a tout ça. Que, qui... à bientôt. à, bientôt. Bon, à, bientôt. à bientôt. Merci, Sylvain. Euh...